Alors, tac. Tac. Voilà, parfait. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Je suis Harold Guillemin, fondateur de Phoenix, et aujourd'hui, je vais vous parler de moteur de bateau à nageoire. Savez-vous à quelle vitesse se déplace la baleine bleue? La baleine bleue, c'est 30 km/h en vitesse de croisière et l'oustique fait quand même 190 tonnes. Le dauphin, c'est 60 km/h. Et l'espadon, alors? L'espadon, ce sont des pointes à 110 km/h dans l'eau, sans hélice. Oui, l'humanité a beaucoup de choses à apprendre de la nature et bizarrement, on s'est dirigé vers des solutions tout autres, à hélice, plutôt qu'à nageoire. L'hélice est une technologie du passé. Elle emploie son énergie à mixer un fluide plutôt qu'à le propulser en ligne droite. Elle est dangereuse, beaucoup trop d'accidents ont lieu à cause d'elle chaque année. Elle est aussi coûteuse à cause des nombreuses pièces à entretenir et elle est également bruyante et elle perturbe la faune et la flore à cause des remous qu'elle crée. Mais une solution existe à ça et la nature la connaît depuis bien longtemps. Cette solution, c'est Phoenix, une membrane en forme de disque qui ondule comme une nageoire de poisson de la périphérie vers le centre et qui permet une économie d'énergie, une sécurité maximale puisqu'on n'a aucune pièce en rotation, pas d'hélice, un entretien réduit puisqu'on a beaucoup moins de pièces, pas de vilebrequin, pas de réducteur, une grande réactivité un peu comme un poisson dans l'eau et en plus c'est une technologie silencieuse puisqu'elle cavite très peu. Alors le marché de la propulsion nautique est vaste et nous avons choisi de l'attaquer avec ce premier segment, les moteurs hors bord. Et notre premier produit, eh bien, c'est celui-ci. Un moteur de bateau 5 chevaux, 100% électrique, dont vous avez ici, à côté de moi, si vous le voyez, tac, 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 notre premier moteur de bateau que nous développons ici au laboratoire de Phoenix, à Paris, dans le 20e, et également à Centrale Supélec où nous sommes incubés. Donc ce moteur est 100% électrique et dédié aux petites embarcations et aux annexes et voiliers jusqu'à 3 tonnes. L'objectif, c'est de fournir dès cet été une première petite série à nos early adopters pour justement eh bien, apprendre encore plus sur ce moteur et lancer l'industrialisation très prochaine. Pour développer ce moteur, on a réalisé une première levée de fonds l'année dernière de 900 000 euros, un tiers auprès de Business Angel, un tiers auprès de subventions et un tiers sous forme de prêts. Et nous lançons dans les prochaines semaines une levée de 3 millions d'euros pour financer l'industrialisation de ce moteur. Alors notre business model est très simple. Nous souhaitons vendre des moteurs, nous souhaitons vendre des propulseurs, pourquoi pas à Seaproven, l'intervenant que vous avez vu juste avant, et nous souhaitons vendre des licences pour des applications bien précises. Aujourd'hui, notre équipe est de 10 personnes. Nous sommes une équipe plutôt jeune, la moyenne d'âge est de 27 ans, mais nous sommes surtout soutenus par un advisory board de qualité, avec à la barre Loïc Perron, le grand navigateur que vous connaissez tous, et puis également Jérémy Lagarrigue et Hervé Gastinel, le président du groupe Ponant, anciennement PDG du groupe Beneteau. Alors bien sûr, nous faisons partie de l'écosystème maritime et je dirais océanique, avec en figure de proue Respect Ocean, que nous sommes fiers d'avoir à nos côtés. Merci beaucoup et je suis à l'écoute de vos questions. Merci Harold, tu es exactement sur 3 minutes. Voilà, 3 minutes et une seconde. Voilà, dans les temps. J'invite les membres du jury à poser leurs questions dans le chat, que je la partage avec Harold. Alors, quelles embarcations peuvent être équipées? Alors, pour ce moteur de bateau, le premier que l'on développe, un 5 chevaux, ce sont des petites annexes et voiliers jusqu'à 3 tonnes, des petites embarcations. Aujourd'hui, on ne voit pas de limite technologique sur notre technologie, donc on pense pouvoir l'adapter, un peu comme l'hélice finalement, à des plus petites embarcations comme des plus grandes. Après tout, la nature arrive bien à le faire, donc on s'inspire de cette nature, hein, c'est de la bio-inspiration, pour proposer des gammes de plus grande puissance. Notre levée de fonds de 3 millions servira d'ailleurs à étendre notre gamme et à développer un moteur de 150 chevaux 100% électrique. Nous avons d'ailleurs été, si je peux me permettre de cette aparté, nous avons été lauréats d'un appel à innovation des JO 2024, hein, les Jeux Olympiques 2024. On fait partie des 20 sociétés en France qui pourront à Paris eh bien, proposer leur technologie pour les touristes et nous proposerons des moteurs de bateaux de 150 chevaux sur la Seine pour des promenades à mobilité électrique silencieuse en harmonie avec la nature. Merci beaucoup. Parfait, merci Harold, on a hâte d'y être.